Dans ses mémoires très attendues intitulées Le Suppléant, le prince Harry revient sur la disparition tragique de sa mère Lady Diana alors qu'il était enfant et rapporte les mots de son père, le prince Charles, pour lui annoncer la terrible nouvelle. Outre l'interview très attendue intitulée Harry, l'interview événement est diffusée ce lundi 9 janvier 2023 dès 23h10 sur TF1, les confidences, parfois explosives, comme sur l'affaire du costume nazi, vont bon train également dans les mémoires très intimes du prince Harry, le suppléant, qui paraît cette semaine chez Fayard. L'époux de Meghan Markle y raconte notamment le lien étonnant qu'il conserve avec sa mère disparue Diana, avoir tué 25 personnes en Afghanistan, consommé de la cocaïne tout en partageant l'épisode humiliant de la perte de sa virginité avec une femme plus âgée. Maman a été très grièvement blessée et a été emmenée à l'hôpital le prince Harry, au cœur également d'une interview diffusée ce même jour sur M6 dans le JT du soir, s'y livre aussi sur la terrible nouvelle de la mort de sa mère Lady Diana le 31 août 1997, dans un accident de la route sous le pont de l'Alma à Paris. Ce jour-là, l'adolescent de 12 ans dort à Balmoral, résidence de sa grand-mère, comme le rapportent nos confrères d'Entertainment Tonight. J'ai commencé à implorer mon père, ou Dieu, ou les deux en disant, non, non, non. Papa avait les yeux baissés sur les plis des vieux jetés de lit, des couvertures et des draps. Puis, il se lance, il y a eu des complications. Maman a été très grièvement blessée et a été emmenée à l'hôpital, mon chéri. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Celui qui aimerait enlever de sa tête certaines images de Meghan Markle dans la série Suits continue, sa voix était douce. Il avait l'air en état de choc. J'ai dit, ah, à l'hôpital? Il a répondu, oui, pour une blessure à la tête. Est-ce qu'il a fait mention des paparazzi? Est-ce qu'il a dit qu'elle avait été prise en chasse? Je ne crois pas. Je ne peux pas le jurer, mais ce n'est probablement pas le cas. Avant d'annoncer son décès à leur plus jeune fils, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mon chéri. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Dans l'interview événement ITV, le prince Harry, qui espère rendre fier de sa mère, confie n'avoir pleuré qu'une seule fois suite à cet épisode tragique, au moment de l'enterrement. À lire aussi, je n'ai pleuré qu'une seule fois, à l'enterrement, le prince Harry se confie face caméra sur la mort de sa mère Lady Diana.